ça a été, je pense, très bénéfique pour nous de faire ce petit scrimmage. Ça aurait été mieux si l'équipe adverse était venue, bien évidemment. Après, on a fait contre une mauvaise fortune Walker, donc on s'est adapté. Mais je pense qu'il a été très instructif pour le groupe et notamment pour les coordinateurs, puisque cette année je suis plutôt seul. J'ai un coordinateur offensif et un coordinateur défensif. Donc c'est pour ça que c'était de toute façon positif pour nous de faire ce scrimmage-là ce soir. Pour vraiment, on est un groupe de nouveaux joueurs très impliqués. Et ça, vraiment, c'est vraiment important parce que c'est ce qui nous manquait, notamment l'année dernière, pour étoffer le groupe. Sachant qu'on a perdu quand même pas mal de titulaires l'année dernière, en fait, des raisons diverses et variées. Et c'est vrai que ces gars-là nous apportent de la fraîcheur, etc. Après, malheureusement, c'est des nouveaux, donc de toute façon, ça va avec aussi, ça apporte son lot d'erreurs, de non-connaissances. Okay. Voilà, donc ça va mettre du temps. Mais bon, et d'une, c'est un bon challenge, et de deux, ça va dans la droite ligne qu'on avait. Le but du jeu, c'était d'étoffer notre groupe. Sur le premier match, on était plus de 45 joueurs. L'année dernière, on était autour de 30. Par rapport à l'ambiance de match, je suis super, mais vraiment très content qu'il y avait du monde, beaucoup de monde dans les tribunes, les cheers qui apportent vraiment une super ambiance, la fanfare. C'est vraiment, ça dynamise quoi, les matchs. Ça fait, on a envie de jouer devant eux, quoi. Devant ce public, devant cette ambiance, etc. C'est ça, c'est du bonheur.